Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à trois choix avec mes quatre petits canards pour voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous donner comme message. Donc, moi j'ai vraiment à l'idée une guidance douce, légère. Euh, j'ai à l'idée des messages peut-être de réconfort, d'encouragement, des choses comme ça. Mais euh, on va voir ce que les guides aimeraient vous dire. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer mon, mon beau canard que j'ai trouvé au vide-grenier. En fait, mon chéri, euh, ça. Comment dire Il n'aime pas trop avoir des choses inutiles, des décorations comme ça. Et du coup, juste pour l'embêter, j'ai ramené un canard du vide-grenier. Donc voilà. <laughs> Donc c'est la petite histoire de ce canard que j'adore et qui est devant notre maison. Mais bref, du coup, euh, j'ai mis ce gros canard aussi parce que euh, bah les choix aujourd'hui, ce sont ces trois petits canards. Donc vous avez le premier pour le choix numéro un qui est un canard jaune. On dirait un petit peu de la calcite. Honnêtement, je ne sais pas si ce sont des pierres semi-précieuses ou juste du verre, mais j'ai craqué dessus. Ensuite on a ce canard vert un peu bleu, ce canard vert d'eau finalement. Ce bleu canard, c'est un bleu canard finalement, <laughs> un peu un vert. Et on a le dernier pour le choix numéro 3. C'est ce petit canard tout blanc. Donc euh, je vous laisse faire vos ou votre choix. Et ensuite, cliquez sur le ou les marqueurs de temps associés juste en dessous dans la description. Et puis moi je vais mélanger les cartes pour les chaque groupe. Et on se dit à tout de suite Voilà donc euh, tous les groupes sont prêts pour chaque canard. Donc on va mettre le 1 et le 2 juste au dessus. Hop et, et là et on prend le premier groupe. Donc si vous avez choisi le premier groupe, je vous dis à tout de suite Bonjour groupe 1, vous avez choisi ce magnifique petit minuscule canard trop mignon que j'adore pour votre message. Donc aujourd'hui j'avais un petit peu à l'esprit un message de douceur, d'amour de la part des guides. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire et on va commencer par découvrir vos cartes. Donc c'est parti. Alors nous avons les chiens rassemblement avec des amis. Nous avons. Le Flox Paniculata. Euh, unanimité et harmonie. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Marc Aurel. Hmm. Donc il y a le rassemblement avec les amis, euh, harmonie, unanimité. L'unanimité, c'est quand tout le monde est, euh, penche pour une opinion ou vote pour quelque chose euh, avec la majorité. Donc euh, ouais. Il y a vraiment cette idée de rassemblement, d'harmonie de, avec l'un, avec l'autre. Euh, come to me, ça veut dire viens à moi. Attra attirer, vous êtes en train d'attirer comme une rose. Vous recevez, il y a l'abondance et les désirs. Et ça me fait penser justement avec la fleur, euh, la rose. Euh, il y a une phrase qui est connue, hein, vous, vous la connaissez peut-être. Mais euh, la rose ne cherche pas à attirer l'abeille. Quand elle est prête, l'abeille vient à elle en fait. C'est un petit peu ça. On a ensuite l'ermite et oui l'ermite qui est dans sa caverne qui se dit bon j'aimerais bien euh, manifester ça et ça mais qui sort pas vraiment parce qu'il n'est pas vraiment prêt aussi il n'a pas encore complètement appris certaines choses il a peut-être pas encore guéri de certaines choses aussi il a peut-être encore certaines euh, connaissances à intégrer certaines expériences à digérer euh, ouais donc il est écrit il y a certaines choses qui ont besoin d'être faites par vous-même ah donc, oui, on peut toujours euh, compter sur les autres pour nous soutenir, pour euh, euh, nous donner de l'amour, pour nous donner du soutien, etc. J'ai déjà dit le soutien, mais j'ai vraiment ça qui me vient c'est que les autres ne peuvent pas agir à notre place, les autres ne peuvent pas faire ce qu'on a à faire, en fait, mais ils peuvent nous porter pendant qu'on doit faire ce qu'on a à faire seul, en fait. Ok. Ah! Euh, oh. Fill yourself, ça veut dire remplissez votre coupe, euh, nourrissez-vous en fait. Avec la Morganité, on a un cœur au milieu d'une fleur, encore une fois. Hein. Donc il y a vraiment cet aspect d'attirer de... à soi ce dont on a besoin en fait, et de s'épanouir. Et là, j'ai la phrase de Mulan qui me vient. Parfois, ce sont les plus belles fleurs qui éclosent en dernier. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais euh, certains bourgeons mettent plus de temps, mais... Une fois que les fleurs s'épanouissent, elles auront le parfum le plus pur, le plus exquis. C'est quelque chose comme ça. Si vous avez la citation euh, précise, mettez-la en commentaire. Je pense que ça pourrait euh, aider certaines personnes. Mais en gros, on vous dit, là, groupe 1, je pense que certains d'entre vous ont besoin d'entendre que c'est pas parce que quelque chose met du temps ou que vous mettez peut-être plus de temps que quelqu'un d'autre à faire certaines choses, à accomplir certains buts, à vivre certaines choses de manière générale, que ça n'arrivera jamais pour vous, que vous n'êtes pas capable, ou que c'est pas fait pour vous, je ne sais quoi. C'est juste que certaines fois, les personnes qui ont le plus à offrir mettent plus de temps à se développer, mettent plus de temps aussi peut-être à se renforcer, à avoir confiance en l'univers, à avoir confiance en elles aussi. Donc, euh, je suis contente parce qu'on commence avec un vrai message de douceur de la part des guides. <laughs> Donc, euh, le message principal que j'ai aussi, un des messages principaux en tout cas, c'est de prendre votre temps et que certaines choses ne peuvent pas être forcées. Ne peuvent pas être forcées plutôt. Euh, certaines choses mettent du temps. Une graine ne peut pas fleurir en hiver. Donc c'est un petit peu ça. Il y a une question de timing aussi, de respecter vos propres rythmes, vos propres timings. On a trois fleurs ici. Et pendant que vous faites ce que vous avez à faire, en fait, en attendant que ça soit l'heure pour vous, pendant que vous faites les choses seules aussi, certaines choses... On vous dit que vous pouvez compter sur vos amis ou sur vos proches. Vous pouvez leur demander plus d'aide, plus de soutien, plus d'écoute que vous ne le faites. Vous embêtez personne. Quand quelqu'un vient vous voir et qu'il a besoin de votre épaule pour pleurer ou de votre oreille pour, pour l'écouter, ça ne vous embête pas. Vous êtes content de pouvoir l'aider. Alors imaginez ça de l'autre côté aussi. Ça fait plaisir à la personne de pouvoir être là pour vous. Donc euh, je pense que c'est un truc que beaucoup d'entre nous avons à apprendre de manière générale. Donc vous n'êtes pas seul. Mais c'est ça, c'est que je pense que les personnes autour de vous sont beaucoup plus présentes pour vous, ont beaucoup plus de soutien à vous offrir que vous ne voulez bien le croire ou l'imaginer. Donc pendant que vous faites votre cheminement intérieur, que vous réglez ce que vous avez à régler, que vous faites les choses que vous devez faire seul, vous avez beaucoup de soutien autour de vous et vous avez aussi vos guides, bien évidemment, vos guides de lumière, les personnes qui sont décédées aussi qui vous envoient beaucoup d'amour, les anges. Donc demandez à toutes ces entités de lumière de vous aider aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Neptune et Uranus. L'innovation. De nouvelles possibilités me sont offertes. Je les accepte. C'est ça, c'est que, encore une fois, j'accepte, je reçois. Venez à moi. <laughs> c'est exactement ça. C'est que vous êtes prêts aussi à ne plus forcer pour obtenir les choses. <laughs> vous êtes toujours prêt, bien évidemment, à faire les choses de manière innovante, créative, d'essayer de nouvelles fois, de faire des efforts, on est d'accord? Mais vous n'êtes plus dans la croyance, peut-être aussi, où vous n'allez plus l'être, dans la croyance que vous devez tout faire tout seul, que vous devez. Euh, comment dire Que vous devez tout porter seul, que vous devez tout provoquer seul aussi. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'univers, il peut vous apporter beaucoup plus si vous l'autorisez à le faire. Si vous autorisez vos guides de lumière. À interférer avec votre libre, votre libre arbitre aussi, à euh, venir dans votre vie faire des merveilles, faire des miracles. Demandez, autorisez ça. Ensuite, nous avons la lune avec la sensibilité. J'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice. Donc, enfin, je voulais un tirage doux pour vous et c'est ce qu'on a reçu. Donc, demandez et vous recevrez. <laughs> c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot maintenant on a le diable, évidemment qu'on a le diable, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est ce diable intérieur qui nous empêche de demander de l'aide, qui nous dit qu'on va embêter, qui nous dit qu'on devrait être à ce niveau de succès, qu'on devrait avoir tant de possessions matérielles à notre âge, qu'on devrait avoir accompli tant de choses, voyager à tel endroit, patati patata. Ça, c'est notre diable intérieur. Et c'est ce que vous êtes en train de légitimer, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Et en plus, le diable, là, il a les yeux fermés. Donc, euh, moi, je pense que pour certains, vous êtes en train de vraiment dire à votre diable intérieur Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi toutes les horreurs que tu as à me dire. Et là, votre mental, votre diable au temps intérieur, il va plus parler il va se dire euh, bah Mince, alors maintenant, on me regarde, je suis démasqué et j'ose plus trop parler. C'est comme quand quelqu'un parle dans votre dos et vous allez le voir et vous lui dites Bon, bah, vas-y, j'écoute, il paraît que tu as ça, ça, ça à dire. Vas-y, dis-moi. Et la personne, ah mais non, mais, euh, mais euh, en fait non, c'est un petit peu ça en fait, c'est que quand vous confrontez votre diable intérieur, quand vous confrontez une autre personne qui, qui disait des trucs dans votre dos, souvent en face, on a une réaction toute penote. Du coup, c'est un petit peu ça que je vois pour vous, c'est que vous êtes en train de vraiment voir que votre diable intérieur, vos, vos doutes, vos peurs, ben, en fait, euh, euh, j'allais dire elles n'ont rien dans le pantalon, mais c'est un petit peu ça, c'est que euh, derrière, il n'y a rien en fait. Quand on gratte un peu la peinture, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance. Donc euh, quand vous voyez que tout ça, ça n'a plus de pouvoir sur vous, vous pouvez avoir plus de paix intérieure pour vous ouvrir et recevoir naturellement en fait. Pour laisser venir les choses à vous, pour les attirer à vous. Oh là là, on a le hiérophante, on a l'arcane numéro 15, l'arcane numéro 5. Donc c'est vraiment, euh, c'est les antipodes en fait. Hein. On a le Christ, l'antéchrist. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous êtes en train de... De vraiment faire confiance à votre voix intérieure, de vraiment faire confiance à votre à votre rythme intérieur aussi, à votre douceur, à qui vous êtes vraiment. Exactement. Et avec cette Bible et le diable, moi, ça me fait vraiment penser à conjurer aussi un mauvais sort. Non pas qu'il y ait un mauvais sort ou de la magie ou ces trucs-là. La magie noire, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste l'intention que la personne pose vers vous si vous êtes assez. Euh, comment dire anxieux. Et si vous êtes dans la peur, vous recevez cette intention tout simplement. Vous la créez vous-même. Donc euh, c'est pas vraiment de magie noire que je veux parler là. C'est simplement de conjurer quelque chose que vous pensiez être vrai, que vous pensiez être peut-être une malédiction. Ça peut être euh, ah bah je dois être maudit, je rencontre toujours les mêmes types d'hommes, ou je rencontre toujours les mêmes types de femmes, ou à chaque fois que je vais dans cette situation, paf, il m'arrive ça, j'attire ça, j'ai pas de chance, j'ai machin. Vous conjurez ça en fait. Exactement. Et vous arrivez à plus d'harmonie. Et vous faites taire ce diable intérieur-là. Il a les yeux fermés. Il est plus du tout menaçant. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que vous écoutez votre cœur. Euh... Peut-être même que j'ai dit Christ est antéchrist, peut-être que pour certains, vous vous raisonnez beaucoup avec Jésus, avec la figure christique. Donc si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, chacun son truc, chacun ses affinités. Euh, mais si c'est le cas, peut-être que là, c'est un moment justement pour prier le Christ, pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter aussi peut-être plus de paix, d'harmonie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos relations aussi, c'est possible. Oh, regardez ça, on a le valet de coupe avec une auréole, c'est pas magnifique, sérieux. On a les anges qui sont avec vous, c'est exactement ça, j'adore. Et le valet de coupe, c'est une invitation d'amour, c'est une invitation du cœur, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager des bons moments avec vous, qui est sincère, euh, qui est spontané, qui est rigolo aussi ou qui est rigolote. Donc, euh, le message aussi pour vous, groupe 1, je pense, c'est de ne pas rester enfermé dans votre caverne aussi. C'est bien l'introspection, c'est bien le travail sur soi, c'est bien de faire ce que vous pouvez faire tout seul. Mais restez pas enfermés alors qu'il y a la vie qui veut, qui veut danser avec vous. C'est un peu métaphorique, mais c'est ça en fait. C'est que autour de vous, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de partager beaucoup de joie, beaucoup d'amour avec vous, beaucoup de rire aussi. Ouais. Et oh là là, mais regardez ça, encore un petit, une petite auréole avec le valet de bâton. C'est ça que. On vous invite en fait à reconnecter aussi avec votre part d'humour, avec votre part d'enfant, de spontanéité. Et clairement, moi, avec le diable, la Bible, euh, les deux anges-là, moi, j'ai envie de vous dire que vos guides de lumière, les anges, le Christ, euh, tous les êtres de lumière que, avec lesquels vous avez des affinités sont à vos côtés. Ils vous aident à pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Ils vous aident aussi à vous libérer peut-être de la peur d'aller dans le monde et de rencontrer des personnes parce que peut-être que vous avez été beaucoup blessé par des personnes justement qui étaient sous l'influence de ce diablotin intérieur et qui ont abusé de vous d'une manière ou d'une autre. Donc sachez que plus vous allez conjurer ces pensées, ces croyances que le monde vous veut du mal et que euh, si vous avez vécu ça, ça vous arrivera toujours, que vous attirez ces choses, que vous y pouvez rien, vous ne savez pas comment faire, vous êtes maudit peut-être, plus vous allez conjurer ces pensées et ces croyances, plus vous allez attirer des... Expériences qui vont vous prouver que vous avez raison. Vous allez attirer de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités, de nouvelles relations. Et ça implique justement de savoir quand euh, faire les choses dans votre petite caverne tout seul euh, avec vous-même et quand faire les choses en groupe avec cette harmonie, cette unanimité, ce rassemblement. Vous pouvez attirer des relations et des situations qui honorent votre sensibilité. Et c'est dur à imaginer quand on a vécu des choses difficiles, mais c'est le cas. Vous pouvez vivre une vie qui est centrée sur votre cœur, sur, vous, sur ses désirs, et sur ce que vous voulez vraiment vivre de doux, de beau, de d'épanouissant et d'exaltant. Je trouve ça magnifique. Et je viens de regarder ma caméra et on est à 12 minutes 22. Enfin, on était à 12 minutes 22, donc le 2-2-2. C'est l'harmonie, c'est la complétude, c'est la réciprocité, c'est le fait de vraiment être euh, dans des relations aussi qui sont équilibrées, qui sont vraiment dans le cœur, qui sont dans le partage. Donc c'est ça, je pense que on vous invite à, pour certains qui seraient un petit peu solitaires peut-être aussi parce que l'ermite c'est une grande figure de solitude et d'introspection, on vous invite à vraiment croire qu'il y a des personnes qui ont envie comme vous de partager votre énergie. Les personnes que vous cherchez vous cherchent aussi, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit euh, un partenaire romantique. La personne que vous cherchez vous cherche aussi. Et c'est important de savoir que vous pouvez attirer des belles relations dans votre vie. Vous pouvez attirer de belles expériences, des expériences divines, où vous allez vous dire Waouh, ouais, mais j'ai tellement de chance. Et donc, euh, c'est important encore plus de savoir que certaines choses ne peuvent pas être forcées. Ne peuvent pas être forcées, je les redis. Et que là, vous êtes sous l'influence de la synchronisation divine. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez être prêt euh, au niveau de votre esprit, au niveau de votre cœur, au niveau de votre énergie à recevoir. Vous allez être prêt, peut-être même que c'est déjà le cas, à recevoir de la part des autres surtout. Parce qu'on a beaucoup de relations aux autres, on a beaucoup de monde ici. Donc. Euh, le message de vos guides avec amour, c'est de ne pas avoir peur de vous ouvrir aux autres, ne pas avoir peur de vous ouvrir au monde. Et ah, je vais vous dire un truc d'ailleurs, euh, c'est Jenny. Je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram, mais c'est une blonde qui, je crois qu'elle est, elle est, euh, elle, est elle vient du Danemark ou de la Hollande, je sais plus trop. Je crois qu'elle est hollandaise. Et elle disait que quand on croise des gens dans la rue. On a souvent un regard de jugement ou les gens ont un regard de jugement parce que bah on a tous des peurs on a tous des expériences et on se rend même pas compte qu'on juge les gens en fait et elle dit que elle ce qu'elle fait c'est que au lieu de se dire Oh mon dieu j'aime pas ça j'aime ça machin chez des gens elle dit plutôt je t'aime elle regarde la personne en pensant je t'aime I love you elle dit et du coup en fait le simple fait de se dire je t'aime ah, de penser je t'aime en regardant une personne, ça change notre micro-expression sur le visage. Et du coup, ça peut attirer à nous euh, des personnes qui voient en fait cette énergie à travers notre visage, qui sentent ces mots. Et ça peut attirer justement des personnes qui viennent nous voir, qui nous parlent, euh, qui s'ouvrent, qui nous proposent des choses. Donc peut-être que vous pouvez essayer cet exercice, c'est que... Après, elle le dit, hein, euh, moi je dis je t'aime jusqu'à ce que les autres me prouvent le contraire éventuellement. Mais je dis je t'aime parce que pourquoi pas en fait pourquoi pas? Pourquoi pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il vous prouve euh, que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Tout simplement. Pourquoi pas s'aimer à la base? Et ça peut vous aider justement à moins avoir peur des autres, à plus vous sentir connecté, à imaginer une personne peut-être qui a un physique qui vous plaît pas trop ou un comportement qui vous plaît pas trop, à imaginer que cette personne il bah, y a un enfant qui l'aime peut-être, ou elle a une grand-mère qu'elle adore et qu'elle voit souvent, ou vous voyez que cette personne, elle a des gens qui l'aiment et elle est aimée aussi. Du coup, on connecte plus sur cette vibration d'amour plutôt que sur cette vibration de jugement. Donc... Euh... Voilà ce que je vois, c'est que votre sensibilité, l'amour que vous ressentez pour vous-même et pour les autres, il peut vraiment créer une magnifique réalité pour vous, où il y a des nouvelles possibilités, où il y a des nouvelles rencontres, où il y a des nouvelles prises de conscience, de nouvelles façons de voir les choses aussi. Donc euh, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 1, je vais tirer un dernier message qui est déjà sorti, et nous avons le Phénix pour terminer cette magnifique guidance. Il est écrit renouveau total, courage et libération. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui, celle que je suis vraiment. Ah, j'adore! Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler, et de juger d'ailleurs. Préférez-lui votre projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité, c'est exactement ça. Ce que vous avez vécu comme expérience, ça ne sera pas ce que vous allez vivre, c'est pas fatal. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde, à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive. Vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. C'est exactement ce qu'on vient de dire vous traverserez cette transition avec succès. J'adore. Magnifique. C'est exactement ça, c'est que comme le phénix, vous allez renaître, comme la fleur au printemps, vous allez refleurir. Vous voyez donc. Euh... Ça me fait penser à un rosier justement qui on dirait qu'ils sont morts les rosiers l'hiver et puis finalement ils nous font des fleurs magnifiques avec un parfum tellement exquis le printemps qui, quand le printemps est venu donc euh, c'est un petit peu ça c'est que pour certains peut-être que vous êtes encore un petit peu dans votre hiver peut-être dans votre automne d'ailleurs mais quoi qu'il en soit sachez que vous pouvez à tout moment changer les choses vous pouvez à tout moment changer votre regard sur les autres sur le monde sur votre expérience passée et à tout moment vous pouvez vous créer une nouvelle réalité ça sera peut-être pas du jour au lendemain, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. <laughs> Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. C'était une magnifique guidance très très douce. Je suis très contente d'avoir pu la faire avec vous et pour vous. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour euh, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, ou pour voir mes prestations, les bijoux que je crée, ou la nouvelle box qui est peut-être déjà sortie au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que des fois j'en enregistre en avance, la box inédite que j'ai créée, que je suis vraiment très contente d'avoir euh, réalisée en fait, de manière générale. J'ai tellement hâte de, la, de vous la partager. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et prenez bien soin de vous. A très bientôt groupe 1. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi ce magnifique petit canard vert. Il est tout lisse, c'est un petit peu froid. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Ça me fait penser à de la mousse. On va le mettre à côté du canard du groupe 1. Hop, à la queue le leu. Donc aujourd'hui, moi ce que j'avais en tête, c'était de vous faire une guidance toute douce. Euh, je ne sais pas vraiment ce que vos guides vont vous dire, mais le groupe 1 était magnifique. C'était vraiment des messages d'amour, même à un moment j'ai été vachement émotive. Euh, mais du coup, c'est vraiment... Euh, là, j'ai voulu inviter euh, les êtres de lumière les plus doux pour vous donner le message le plus doux. Voilà. Donc on va voir ce que vos guides aimeraient vous dire. Ces êtres de lumière de douceur. <laughs> Donc on commence avec la cloche, avec une annonce. Et la cloche, ça me fait penser euh, au mariage, ça me fait penser aux célébrations. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Nous avons la rose jaune, et on a eu la rose aussi dans le groupe 1, donc on est vraiment dans cette, euh, cette idée de douceur. Hein. Ça me fait penser à la médecine de la rose, à Marie-Madeleine. Nous avons l'enthousiasme et l'amitié. Euh... Une rose, une simple rose peut-être mon jardin, un simple ami peut-être mon monde. Léo Bouscaglia. Bu, C'est beau ça. Waouh. Et on a l'annonce aussi, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre Nous avons encore une fois le fil de la rose. Euh, appel intérieur dirigé par l'âme, le mystique ou la mystique, vivre avec courage. Waouh. Où est-ce qu'il nous emmène ce tirage Où est-ce qu'elle nous emmène cette guidance euh... Alors déjà, j'ai une énergie de mariage. Je ne peux pas m'empêcher de... d'entendre des cloches de mariage. Euh, du coup, pour certains, peut-être que vous allez vous marier avec une personne que vous considérez comme votre monde, comme votre amie. Ah oh, mon dieu. Euh... <laughs> je vois, je, je, je suis dans ma période où je suis très sensible, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai de l'émotion qui monte assez facilement. Mais du coup, j'ai vraiment cette... Euh... Euh, cette joie de quelqu'un qui se marie ou qui assiste à un mariage, vous voyez du coup, je pense que pour certains c'est vraiment un message profond euh, qui vous dit que vous allez vous marier avec la personne de votre cœur que vous la connaissiez déjà ou pas forcément encore. c'est c'est magnifique, donc on continue. <laughs> nous avons oh le soleil magnifique avec les tournesols, on a tellement de fleurs dans cette guidance, c'est génial. Donnez-vous la permission d'expérimenter la joie. Eh oui, vous avez le droit, comme n'importe qui d'autre, d'expérimenter la joie, le bonheur, l'amour. Vous méritez, comme tout le monde, d'expérimenter ces belles choses. Ensuite, nous avons. Euh, ah oui, c'est à l'envers. On a le sel. Et euh, fondamentaux. Ah oui, euh, les fondements de l'humanité. Du fait d'être humain, plutôt. Ouais, du fait d'être humain, exactement. C'est ça, c'est que la base en fait, la base de tout c'est l'amour, la base de tout c'est l'autre aussi. C'est que sans l'autre, on n'existe pas. C'est exactement ça, et moi ça me fait penser euh, aux ondes aussi que les pensées positives, euh, les mots positifs, les intentions positives peuvent avoir en fait. Et euh, je pense que vous connaissez tous euh, l'étude le, de l'eau aussi, de. Oh, comment il s'appelle C'est Matsumoto, il me semble. C'est un Japonais qui a fait une étude là-dessus, euh, et ça me fait aussi penser. Euh, comment ça s'appelle déjà Vous savez, on a un bocal de riz et un, on a deux bocaux de riz, et il y a un bocal de riz auquel on dit je t'aime, un bocal de riz auquel on dit je te déteste, et on envoie vraiment l'énergie qui va avec les mots. Et au bout d'un certain temps, on peut voir que. Le bocal auquel on a dit je te déteste pourri, le riz pourri à l'intérieur, et le bocal auquel on a dit pardon euh, je t'aime, eh bien, il est presque intact. Donc, euh, j'ai vraiment ça en fait qui me vient pour vous, c'est que vous êtes en train, je pense actuellement, de changer la vibration de vos mots, de vos pensées, à un plus grand niveau, à une plus grande échelle, peut-être que c'est en méditant. Peut-être qu'on vous invite à méditer d'ailleurs, à méditer sur l'amour pour le monde, pour vous-même, à méditer sur des belles croyances, sur des belles visualisations, c'est possible. À méditer aussi sur ce que vous pensez mériter, ce que vous pensez ne pas mériter. Parce que des fois, quand on regarde un petit peu les choses en face, on se dit, waouh, mais en fait, je suis hyper dure avec moi-même. Ou alors, waouh, j'ai quand même vachement avancé sur moi-même. Donc, c'est peut-être une invitation aussi à regarder comment vous pensez. Euh, comment dire Comment vous pensez de vous-même, oui, mais comment vous appréhendez les choses aussi à ce niveau-là Qu'est-ce que vous pensez mériter C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Uranus et Mars avec l'urgence. Un formidable élan me soutient et m'entraîne. Donc on a le Soleil, on a Uranus, Mars, on a des belles énergies de vitalité, on a la rose jaune qui me fait penser justement à quelque chose de vivant, de joyeux, d'un petit peu enfantin, même avec le tour de sol aussi. Et on a l'enthousiasme ici, donc on va voir où ça nous emmène. Nous avons Neptune et Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. C'est ça, c'est qu'on vous dit que vous avez euh, votre puissance de l'esprit et sans, sans pareil en fait. C'est que vous pouvez créer votre réalité à partir de vos pensées. Et souvent, ça peut nous mettre un petit peu de pression parce qu'on se dit oh, ⁇ mon Dieu, mais ça veut dire que j'ai pas le droit de penser des choses négatives parce que sinon, euh, je vais vivre des choses négatives, etc. etc. ⁇ Non, vous avez le droit d'être mal. Ça fait partie aussi de l'évolution. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'avoir des pensées négatives. Vous avez le droit d'aller au fond du fond. Vous avez le droit d'expérimenter des nuits noires de l'âme. Tant que vous faites ce que vous pensez être bon pour vous, tant que vous avez des pensées d'amour envers vous-même, peu importe. Si vous expérimentez des émotions qui sont plus ou moins inconfortables. Vous pouvez créer votre réalité avec les intentions que vous avez dans le cœur. D'accord Qu'est-ce qu'on a avec le tarot maintenant Nous avons la reine de bâton qui est en pleine possession de son pouvoir personnel. Et sur cette carte du soleil, on a des tournesols. Et la reine de bâton, elle a très souvent un tournesol à côté d'elle sur la représentation de la carte du tarot. Du coup, ça me fait vraiment penser à au Fait de briller en fait, au fait de d'oser briller aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 3 d'épée, et ça m'étonne pas. Nous avons la 3 de denier, c'est bien parce que cette 3 d'épée, euh, qui est une carte en général de perte, de souffrance, euh, de d'épreuves en fait qui sont un peu dures à dépasser, elle est tout de suite suivi de la 3 de denier qui est une carte de cons de construction, de plan clair, de projet à plusieurs aussi donc c'est vraiment beau comment vous passez de, de quelque chose de très compliqué à quelque chose de très créateur en fait de, de très productif et, et, et stimulant en fait, exaltant c'est ça et on a la 10 d'épée donc ouais ok d'accord ok 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 donc ce que je vois c'est que on a un message un peu similaire avec celui du groupe 1 c'est parce que là je pense que dans ce groupe 2, on veut vraiment légitimer ce que vous avez vécu de très difficile, surtout au niveau du cœur et des émotions. Parce que euh, on vous dit qu'il y a vraiment des temps meilleurs qui sont à venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et que c'est pas parce que, par exemple, une personne vous a dit que euh, personne ne vous aimera comme elle ou je ne sais quoi, que vous ne serez jamais aimé, <laughs> parce que cette personne ne vous aimait pas, si elle a pu vous dire des choses pareilles. Par exemple, c'est juste un exemple pour que vous puissiez voir l'énergie de la, de la, du tirage, mais peu importe ce qu'on a pu vous dire, peu importe ce que vous avez pu penser aussi, vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ces choses avec vous. Vous pouvez vibrer quelque chose de différent, vous pouvez construire quelque chose de beaucoup plus puissant pour vous, de beaucoup plus basé sur l'amour. Et la reine de bâton avec la trois de Denier, moi ça me fait penser à créer quelque chose qui vous... vraiment qui vous rend joyeux, qui vous rend tellement reconnaissant en gratitude face à la beauté de la vie. Et je pense que là, vos guides aimeraient vous dire que vous êtes en train de purifier avec ce bain de sel et, et cette tristesse et cette faim qui a pu être difficile. Vous êtes en train de purifier des choses très très importantes qui vont vous permettre de justement euh, vibrer. Oh, regardez, <laughs> ma bougie s'est éteinte quand j'ai dit ça. J'adore. Donc, ouais, vous êtes vraiment en train de purifier certaines choses. Vous êtes en train de rendre certaines choses. Euh, comment dire De retourner certaines choses à l'état de cendre en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Ça peut être que vous laissez enfin derrière vous la tristesse que la fin d'une relation a pu vous faire ressentir ou la tristesse de... C'est peut-être de la nostalgie ou des choses comme ça, mais dans tous les cas, vous êtes en train de purifier certaines choses qui sont dans votre esprit, dans votre corps, peut-être même dans votre âme. Peut-être aussi certaines choses de vie antérieure, hein, parce qu'on a quand même l'appel intérieur, le fait d'être dirigé par votre âme, le côté un peu mystique et le fait de vivre courageusement. Donc ça peut être quelque chose que vous dépassez, que vous libérez, qui vous suit depuis un moment. Et on vous dit que le fait de vous libérer de ça, de vous purifier, ça va vous donner une espèce d'énergie, un élan, une vitalité de fou. Et vous allez enfin retrouver peut-être ou développer votre brillance, euh, c'est-à-dire votre charisme, votre lumière, vos talents, votre enthousiasme, votre, votre étincelle intérieure. En fait, vous allez peut-être retrouver ou faire grandir ce feu intérieur parce qu'on a quand même la flamme qui s'est éteinte là. Donc pour certains, peut-être que vous avez cru que euh, c'était fini pour vous. Peut-être même que certains, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais peut-être que vous avez voulu en finir de cette vie, vous n'en pouviez plus. Et vous êtes encore là, vous êtes courageux. Vous êtes une personne qui a décidé de choisir la vie, de choisir l'amour, de choisir la lumière. Et c'est magnifique quand même d'en être là. Du coup, on vous dit que c'est pas après avoir dépassé tout ce que vous avez dépassé que vous allez abandonner maintenant. Pas du tout. <laughs> je vais vous gâcher un peu la fin, euh, mais tout va très bien se passer pour vous, groupe 2. Tout va absolument bien se passer et vous allez voir que l'univers va vous envoyer aussi de quoi vraiment remercier la vie. Et pour pas mal d'entre vous, ça va être une belle relation d'amitié. Pour d'autres, ça va être un magnifique mariage avec une personne avec laquelle vous êtes peut-être justement le meilleur ou la meilleure amie l'un de l'autre. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez pouvoir aussi avec euh, la 3 de denier, la reine de bâton, le soleil, vous allez pouvoir avoir une carrière qui est vraiment prospère, qui a beaucoup d'abondance, dans laquelle vous vous épanouissez, peut-être même que vous aidez les autres à se connecter euh, à leur âme, peut-être que vous aidez les autres à se purifier, peut-être que vous aidez les autres aussi à guérir certaines choses ou que vous apportez tout simplement de la beauté dans ce monde. Hein. Ça peut être à travers l'art, à travers la cuisine, à travers la couture, la poterie, peu importe. Mais dans tous les cas, on voit que... En ce moment, c'est un temps de purification, donc euh, laissez sortir les émotions s'il y a des émotions qui ont besoin de sortir. Si vous avez envie d'être triste, euh, si vous avez envie de traîner dans votre canapé, de manger de la glace parce que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous pensez à cette chose ou cette personne, allez-y, laissez-vous aller, ça va pas faire descendre vos vibrations, au contraire, ça va vous permettre de vous alléger de certaines choses pour que votre fréquence vibratoire soit encore plus pure, plus... Euh, délesté de ce qui ne de ce qu'il a de ce qu'il a de ce qui la baisse en fait et là je suis pas dans l'optique de vous dire qu'il faut absolument garder votre fréquence très haute parce que des fois on descend en fréquence et c'est ok euh, moi ça m'arrive de temps en temps en bonne scorpionne que je suis <laughs> de descendre très très bas pour avoir des prises de conscience c'est pas vraiment volontaire mais ça m'arrive souvent et du coup euh, ça ne veut pas dire que ça empêche certaines choses d'arriver dans notre monde. Au contraire, c'est qu'on arrive à comprendre certaines choses, ce qui nous permet de nous, de nous élever encore plus et de nous aligner à notre âme encore plus, nous aligner à notre plus beau plan de l'âme en fait. Donc euh, ne culpabilisez pas s'il y a des moments où vous vous sentez vraiment abattu, ou si vous vous sentez en souffrance, ou si vous avez envie de pleurer peut-être aussi. Laissez-vous aller, sortez tout ça, purifiez tout ça. Et sachez que le fait de libérer tout ça, ça va vous permettre de ramener beaucoup de vitalité et d'énergie dans votre vie. Je trouve ça magnifique. Euh, avec le coup de génie, ici, moi j'ai la sensation que ces guides de lumière bienveillants, d'amour, là, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'univers est en train de planifier quelque chose de magnifique pour vous. Il y a une belle surprise qui arrive. Il y a aussi... Peut-être une rencontre, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se tramer euh, dans les coulisses pour vous. Donc, euh, continuez à purifier est ce que vous avez besoin de purifier. Euh, continuez à vous dire aussi que vous méritez la joie autant qu'un autre. Ok Pas plus ni moins qu'un autre, mais autant que tout le monde. On mérite tous de vivre en, en, en paix, en harmonie, d'avoir de la joie dans notre vie. Donc, continuez à vous dire ça. Et vous verrez bientôt un miracle se produire. <laughs> Donc, euh, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai tout vu. Ah non, il y a un truc aussi avec le soleil et la reine de bâton. <laughs> C'est que la reine de bâton est une reine très, très solaire. C'est une reine qui est très en accord avec sa féminité, avec ses rythmes intérieurs, avec sa sensualité, son côté un peu sauvage aussi. Mais c'est une reine qui a traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup d'ombre, beaucoup de doute, de peur, de challenge. Et ici, vous voyez, elle a un chapeau noir, donc ça fait penser à cette ombre aussi. Donc sachez que euh, cette reine de bâton, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez tous ce côté féminin sacré à l'intérieur. Et du coup, on voit que toutes les ombres, toute la souffrance que vous avez traversée, et ben vous êtes en train d'en faire une force. Vous purifiez le superficiel, ce qui ne vous sert plus, et vous gardez euh, cette force distillée de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés. C'est magnifique. Donc voilà ce que je voyais. C'est possible que certains d'entre vous vous sortiez d'une nuit noire de l'âme aussi, ou que vous en sortiez bientôt. Donc... Euh... Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre âme, elle vous appelle et elle vous guide. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre guidance groupe 2? Je pense qu'on vous annonce aussi la fin d'une nuit noire de l'âme ou la fin de certaines difficultés, tout simplement. Waouh, oh, j'adore, j'adore cette carte. On a le Garuda. Générosité, esprit guerrier, c'est ça, c'est une guerrière, la reine de bâton. Amour supérieur. Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Vous avez la capacité, les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus. Au au Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. C'est ça, c'est que l'univers, là, il est en train de vous apporter quelque chose. Donc... Euh... Continuez ce que vous êtes en train de faire. Sachez que vous ne faites rien de travers, qu'il n'y a rien qui peut faire baisser votre fréquence vibratoire parce que de toute façon, on est dans un corps humain, donc on a des émotions, donc c'est comme ça. Donc soyez en paix avec ça et vous vous sauverez du temps. Donc voilà, tout ce que je vois pour vous, c'est que vous allez entrer dans une période de votre vie beaucoup plus vivante, beaucoup plus exaltante. Vous allez aussi vous alliez à plusieurs personnes, ça peut être par le mariage, ça peut être par une magnifique amitié de l'âme, et vous allez connaître du succès dans votre carrière. Donc, euh, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est même une petite prédiction qui, qui fait du bien au cœur. Donc, euh, <coughs> je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 2. Et puis, si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée ou pour voir mes autres prestations ou les bijoux que je fais à la main, euh, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi ce petit canard blanc. C'est une espèce de pierre un peu douce, un peu fraîche. Euh, donc aujourd'hui, je voulais faire une guidance un petit peu douce pour vous, une guidance bienveillante. Euh, du coup, j'ai invité certains guides de lumière, certains êtres de lumière qui ont un message d'amour à vous transmettre. Donc on va voir ce qu'ils ont à vous dire, on va regarder les cartes qui sont sorties pour vous. C'est parti, nous avons oh, le bol, plein de choses matérielles, donc ça me fait penser bien évidemment à l'abondance. Super, on commence fort. Nous avons les pensées, pensées jaunes en plus à tricolore. Um, sweet Thoughts. Alors, des pensées sucrées. Et il est écrit, sweet, non. Si c'est ça, des douces pensées, c'est ça, exactement. Um, pray, you love, remember. Oh, j'arrive pas à traduire. Alors, c'est un poème, du coup, c'est un petit peu dur à traduire, mais pray, you love, remember. Ah, ok, ça veut dire, euh, priez que vous aimez, souvenez-vous. Et il y a des pensées qui sont pour vos pensées à vous. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez un poème qui est équivalent en français. Mais en tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on vous envoie des douces pensées depuis là-haut. On vous envoie de l'amour. Et on vous encourage aussi à prier pour ressentir peut-être plus d'amour, à vivre plus d'amour aussi. Nous avons. Waouh La rose sans les épines. Oh, j'adore vous avez le droit de connaître la joie et on rejoint un petit peu le groupe 1, euh, le groupe 2, pardon. Paix, euh, douceur de la vie, on a le mot sweet deux fois. Donc, euh, je voulais un message doux et bienveillant. Bah, franchement, on l'a là. <laughs> donc, euh, c'est magnifique. Je pense que l'univers aimerait vous dire simplement que... Alors, j'ai le mot en anglais, provide. L'univers vous apporte, vous fournit toujours ce dont vous avez besoin. Il vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Et c'est à vous aussi de vous dire que si vous voulez plus, il faut accepter de. Euh, comment dire De vous dire que vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Et ça ne veut pas forcément dire que vous travaillez pour. C'est juste que c'est votre droit divin en fait d'avoir beaucoup, d'avoir des belles choses, d'avoir de l'abondance peut-être financière, peut-être juste de l'abondance sous forme de peut-être. Bah des fois moi j'ai ma voisine, c'est une petite mamie trop mignonne. Euh, elle m'apporte des radis ou des cerises, des choses comme ça. Ça c'est de l'abondance. Donc euh, Dites-vous que vous méritez toutes les formes d'abondance, groupe 3. C'est ce qu'on aimerait vous dire. Vous méritez toutes les formes d'abondance. Si pour vous l'abondance, c'est de rencontrer des gens, de voyager, vous méritez cette abondance. Pourquoi les autres et pas vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre Nous avons la 2 de bâton. J'adore cette carte, elle est hyper chaleureuse. On a une boule de cristal. Vos décisions décident votre futur, rien d'autre votre futur maintenant, rien d'autre. OK. Du coup, là ce qu'on veut vous dire c'est que vous avez le choix. C'est que vous avez le choix de vivre une vie qui est pleine d'abondance, de douceur où vous éprouvez de la joie ou une vie où plus difficile où vous éprouvez des épreuves, des difficultés, où vous rencontrez des personnes qui vous font travailler certaines leçons. Vous avez le choix en fait et on n'est pas toujours obligé d'apprendre dans la difficulté, on n'est pas toujours obligé d'apprendre dans la sueur et les larmes. On peut apprendre de manière plus douce et je pense que là, si vous êtes tombé sur cette guidance groupe 3, c'est que vous êtes prêt à vous ouvrir à plus de fluidité, plus de simplicité dans votre vie et plus de douceur de manière générale. Vous avez plus, je pense, envie de choisir la voie la plus difficile pour évoluer. Vous en êtes arrivé à un stade où vous vous dites bah En fait, non, j'ai envie de choisir le chemin le plus facile, le plus simple. Pourquoi je me ferais suer, pour pas dire autre chose, avec des expériences encore douloureuses, encore éprouvantes, alors que j'en ai vécu assez et je peux comprendre de celle-là, ça suffit C'est ça, c'est que vous allez vous dire En fait, stop. Aujourd'hui, je fais le choix de vivre une vie plus douce, où il y a plus de joie, où j'ai plus de paix, où j'ai plus d'abondance. Et je vais agir maintenant pour que ça se passe. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour créer ce futur beaucoup plus aisé, beaucoup plus paisible Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite Et il y a de fortes chances que ça soit ça que votre cœur vous invite à faire. Nous avons ensuite le cavalier de Denier. Doucement mais sûrement, vous vous déplacez, vous allez, vous allez loin en fait, on vous dit. Magnifique. Donc ce que je vois, c'est que groupe 3. Si à ce stade de votre parcours vous avez l'impression de faire des choix qui sont alignés, des choix du cœur, des choix qui vous ressemblent, mais que vous n'avez pas forcément encore des résultats ou encore de l'abondance ou de la paix ou de la joie, plus que ça, c'est qu'il faut juste pas abandonner. Continuez à faire ces choix parce que vous savez que c'est en harmonie avec votre rythme intérieur, avec votre cœur, avec votre âme, votre esprit. Ça donne pas forcément toujours des résultats immédiatement. Donc, euh, moi, je trouve que le message du groupe 3 qui vous est adressé aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner vos efforts, de continuer à faire les choses qui vous semblent être justes pour vous et pour les autres, sans mettre les autres ou vous-même, euh, comment dire, en priorité. Enfin, c'est toujours bien de, de se passer en priorité dans le sens où on ne peut pas remplir la coupe de quelqu'un d'autre si notre coupe est vide. Mais c'est, on ne parle pas d'égoïsme là. Donc, euh, ça veut dire que... Vous faites vos choix en prenant en compte vos besoins et ceux des autres. Vous faites les choses justes, en fait, de manière juste pour vous et pour le monde. Et du coup, c'est pas forcément le chemin le plus rapide. C'est pas forcément le chemin qui amène des fruits le plus vite possible, mais c'est un chemin qui vous assure euh, que ça arrivera, qui vous garantit que ça arrivera, quoi qu'il en soit. Même si les choses avancent doucement, même si des fois vous avez un petit peu des doutes qui arrivent, sachez que le chemin de la justesse. Euh, et de ce qui vous semble être juste de manière générale pour vous, c'est ça qui va vous amener beaucoup de douceur, de paix, d'abondance, de joie. D'accord Qu'est-ce qu'on a d'autre Vous êtes la fondation. Et c'est marrant parce que là, en anglais, c'est marqué vous allez dans des endroits, plein d'endroits. Ça veut dire euh, vous, accomplissez pas, vous accomplissez beaucoup de choses. Et du coup, ça parle d'endroits, ça parle de racines. C'est très intéressant parce que c'est comme si là, vous êtes la fondation. Ça vous disait que vous êtes en train de créer une fondation pour votre avenir, maintenant, aujourd'hui. Déjà, juste en regardant cette vidéo, vous êtes en train de faire un choix pour votre avenir, le choix de la fluidité, le choix de la simplicité, de la joie et de la paix. Le cavalier de Denis, il est connu aussi pour établir des fondations solides, pour être régulier, constant, persistant aussi pour être un petit peu routinier aussi dans ses actions, mais il y, y a un côté un peu discipline aussi. Donc euh, moi je vois vraiment un encouragement de continuer quelque chose ou de vous ouvrir à quelque chose qui peut-être ne sera pas le chemin le plus rapide, mais sera le chemin euh, qui vous apportera le plus d'ancrage, le plus de résultats et le plus de satisfaction. Et je vous ai dit tout à l'heure en plus, on ne peut pas verser dans la coupe des autres si la nôtre est vide. Et regardez cette tasse, elle déborde elle déborde carrément, donc on vous dit aussi que vous serez dans un état de telle paix, de telle joie, de telle gratitude que vous pourrez donner aux autres sans compter en fait, parce que ça sera plus euh, un effort, ça sera plus ça vous coûtera plus d'énergie, ça vous fera vraiment plaisir de pouvoir donner aux autres donc euh, continuez à pratiquer continuez à faire des choix qui vont dans le sens de votre épanouissement et de votre joie, si vous voyez quelque chose avance très doucement mais que ça vous, ça vous donne aucune joie, ça vous embête d'y aller que ça vous prend de l'énergie, que ça vous draine continuez pas sur ce chemin continuez sur le chemin qui peut être un peu lent mais qui vous apporte des petites satisfactions qui vous apporte plus de confiance en vous même, qui vous apporte plus de solidité dans votre projet, dans votre confiance en vous peut-être aussi donc choisissez ce chemin alors, j'ai euh, des artisans dans la maison, donc je ne sais pas trop euh, si vous les entendez. Je vais continuer la guidance, j'espère que vous entendez pas trop. Euh, du coup, nous avons... Waouh, la vitalité avec Mars et le Soleil. Je profite de ma vitalité pour mettre en œuvre mes capacités afin de réaliser mes objectifs. Et oui, c'est ça en fait. C'est que peu importe si un chemin est long et lent, si vous vous sentez nourri par ce chemin, si vous vous sentez... Euh, Comment dire, recharger, si vous sentez que vous êtes joyeux après avoir, après avoir fait cette chose, par exemple, euh, c'est le bon chemin pour vous, d'accord Si vous vous sentez drainé, si vous vous sentez vidé, euh, si vous sentez que vous avez plus de vie de manière générale, il faut peut-être reconsidérer soit la façon dont vous faites les choses, soit le chemin en lui-même. Et nous avons Pluton et Neptune, l'irrationnel. Je me laisse guider par mes intuitions et mon instinct. C'est ça. Peut-être que vous, vous aurez tendance de manière un peu. Euh, euh, comment dire comment dire automatique à faire confiance à certaines choses plutôt que d'autres euh, et peut-être que les autres diront que c'est pas le meilleur chemin pour vous mais vous vous sentez que c'est le meilleur chemin du coup ça va être important là de pas forcément écouter tout ce que les autres ont à vous dire parce que la meilleure personne euh, la personne la plus qualifiée en fait pour vous guider dans cette aventure c'est vous c'est votre âme donc si pour vous ça fait du sens de continuer quelque chose même si c'est lent mais que vous savez que ça vous fait du bien et que vous savez que vous pouvez réussir, continuez, d'accord. Avec le tarot nous avons oh là là la neuf de deniers donc euh, clairement il y a des personnes qui sont en train de construire leur propre business ou leur propre carrière euh, que ça soit une carrière d'indépendant ou une carrière dans un poste à responsabilité. On vous dit que vous allez vers une réalité donc déjà avec plein d'abondance matérielle comme on l'a vu au tout début. Et une réalité où vous générez votre propre argent, où vous n'avez plus euh, cette peur de ne pas avoir assez pour la fin du mois, parce que vous pouvez créer plus pour la fin du mois vous-même. Euh, vous pouvez vous créer plus d'abondance. Et vous serez plus limité par une paye bien définie chaque mois. Euh, vous pourrez vous créer votre propre paye encore et encore. Vous pourrez évoluer, vous pourrez faire évoluer votre plafond financier aussi. Vos, vous pourrez avoir des... Euh, vous pourrez éliminer vos dettes, oui c'est ça que j'ai entendu, parce que j'avais le mot dette, 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 vous pourrez éliminer vos dettes, vous pourrez mettre des sous de côté. Magnifique. Donc euh, s'il y a des personnes qui hésitaient à se lancer dans une entreprise ou dans une peut-être une pratique ou de se former à quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, sachez que ça vaut vraiment le coup. C'est ce qu'on veut vous dire. Euh, le choix que vous allez faire de vous lancer là-dedans et d'être persistant, d'être euh, discipliné et de... Vous faire plaisir tout simplement aussi dans cette chose-là, ça va vous permettre d'être autonome financièrement. Ça va vous permettre d'avoir un business qui est prospère, qui est florissant, qui est stimulant, dans lequel vous pouvez peut-être même aider les autres d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous pouvez inspirer simplement les autres par votre succès, votre réussite, <coughs> peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous avec cette carte de tarot, c'est vraiment magnifique parce que ça vous assure vraiment une réussite au niveau matériel. Trois fois. Okay. Mais c'est maintenant que ça se joue. Qu'est-ce que vous allez décider pour votre futur Est-ce que vous décidez l'abondance, la paix, la joie Ou est-ce que vous décidez encore des difficultés Moi, je pense que la réponse, elle est simple. Hein <laughs> Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, wow, a l'AS de Denier avec euh, une opportunité en or. Ça peut être aussi euh, une occasion qu'on ne peut pas refuser. Ça peut être... Euh, un cadeau, ça peut être aussi beaucoup d'argent, ça peut être des... Ah, ça peut être quelqu'un qui investit, qui vous sponsorise, ça peut être quelqu'un qui vous prête ou qui vous donne de l'argent, ça peut être aussi euh, une bourse, ça peut être... Comment on appelle ça Alors, j'ai le mot crowd. Funding, vous savez, c'est quand on demande à des personnes de participer pour un projet. Il y a beaucoup de créateurs d'oracles, j'ai remarqué, qui font ça. C'est qu'ils veulent créer quelque chose, mais ils demandent euh, à leurs abonnés ou leurs clients de précommander, de donner des sous avant que l'oracle soit créé pour qu'ils puissent le créer. Donc ça peut être aussi une avance, quelque chose comme ça, qui vous permet de créer quelque chose. Mais dans tous les cas, il <laughs> y a l'abondance. Il y a de l'argent qui va vers vous, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, oh là là, le roi de bâton, l'entrepreneur, euh, c'est celui qui a son business, son entreprise, ou qui peut avoir du succès en tout cas au travail, qui justement euh, gère une équipe ou gère une entreprise de manière générale. Et ensuite, nous avons la tour. Donc c'est très très intéressant qu'on ait la tour ici, parce qu'elle finit le tirage. Donc euh, qu'est-ce que ça me dit, cette carte-là Ok. Il y a une intervention divine, c'est clair et net. Il y a l'univers qui veut intervenir pour vous, et je pense que pour certains et certaines, c'est possible. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de deux chemins. Il y a un chemin qui est lent, mais qui vous fatigue, qui vous draine. Donc moi, ce chemin-là, je ne vous encourage pas à continuer, parce que c'est pas ça, ça vous fait pas éprouver de la joie. Donc ça vous fera pas éprouver de la joie quand vous aurez cette abondance, si vous l'avez à un moment donné sur ce chemin. Donc il euh, y a le chemin qui est long et qui n'est pas agréable, et le chemin qui est long mais qui est parsemé de petites victoires, qui vous donne envie de continuer, qui vous donne la foi. Donc moi ce que je vois avec cette tour, c'est que pour certains, peut-être que récemment ou actuellement, vous êtes en train d'expérimenter cette euh, énergie de la tour, parce que vous avez peut-être choisi un chemin qui était plus difficile, plus lent, plus long, plus fatigant, plus drainant, alors qu'il y avait un autre chemin plus doux, plus authentique et plus satisfaisant pour vous. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment ou qui n'a pas fonctionné. Et c'est peut-être parce qu'on vous invite à suivre l'autre chemin, tout simplement. À faire un choix maintenant, de choisir le chemin qui vous apporte le plus de joie, tout simplement, le plus d'énergie, le plus de satisfaction. Que ça soit à moyen, court ou long terme, ou tout ça en même temps. Mais. Vous n'avez pas à trimer, vous n'êtes pas obligé de trimer pour accomplir de belles choses. Vous n'êtes pas obligé de travailler toujours plus pour avoir plus d'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. On est trop habitué à croire ça, mais ça ne marche pas comme ça. Donc si vous avez vécu euh, une énergie de la tour de destruction, de faim par rapport à quelque chose, sachez juste que c'était quelque chose qui n'était pas destiné à vous apporter de la joie, tout simplement. C'était destiné juste à vous faire comprendre certaines choses sur vous et à rediriger votre cap, mais c'est OK on devrait plus valoriser l'échec. Parce que l'échec en soi, il arrive que quand on arrête d'essayer quelque chose, tant qu'on choisit d'essayer, même si ce n'est pas la même chose, même si ce n'est pas le même chemin, il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des leçons. Et plus vous allez euh, comment dire, apprendre ces leçons, vivre ces expériences, plus vous allez continuer d'essayer, plus vous allez enfoncer vos racines profondément dans le sol. Et là, il n'y aura plus d'énergie de base euh, qui s'effondre, en fait, parce que la tour, c'est ça c'est que la base n'est pas solide, donc ça se casse la gueule. Donc euh, là, votre base, elle est en train de se solidifier. Donc il n'y aura plus d'énergie de la tour. C'est ce qu'on veut vous dire c'est que peut-être que vous en êtes à la dernière fois où vous essayez de faire fonctionner quelque chose de nouveau. Là, ça va fonctionner, c'est ce qu'on veut vous dire. Cette fois, c'est la bonne. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Donc je vais tirer un dernier message. Pour terminer cette guidance qui était vraiment magnifique, groupe 3, je suis vraiment contente. Ah, qu'est-ce qu'on a Oh, j'adore, j'adore. C'est exactement ce qu'on vient de dire, vous allez voir. C'est incroyable. On a la sauterelle, percée, avancée et chance. J'avance rapidement et sans effort. Donc voilà, peut-être que pour certains, euh, au début, le chemin sera un petit peu lent. Il vous apportera un petit peu de satisfaction. Euh, il vous nourrira, il vous donnera de la vitalité. Mais à un moment donné, ça va décoller. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de s'engager dans la voie qui nous fait plaisir, même si c'est lent par moment. Parce que ça peut avancer, vous pouvez avancer rapidement et sans effort d'un seul coup. Alors, vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. C'est ça. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. C'est ça l'aide financière. Ça peut être aussi les cadeaux de la vie, du divin, l'intervention divine qui fait que certaines choses ne fonctionnent pas et c'est tant mieux pour vous, tant mieux. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Voilà, faites pas attention à ce que les autres peuvent vous dire. Soyez irrationnel. Soyez intuitif. Votre parcours et votre voix vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. J'adore. Écoutez, on va terminer sur cette note parce que je trouve que c'est parfait. Ce que vous pouvez faire à la fin de cette guidance, c'est prendre un petit bout de papier ou prendre un beau bout de papier, l'encadrer, faites comme vous voulez, et de simplement écrire, je choisis le chemin le plus simple, je choisis le chemin où je me sens le plus vivant, je choisis le chemin où j'ai le plus d'abondance. Je choisis le, le chemin qui va le plus vite. Euh, et je choisis le chemin qui est le plus doux, le plus agréable, tout simplement. Vous pouvez écrire ça, vous pouvez rajouter des phrases ou en enlever certaines qui résonnent pas forcément peut-être, mais le fait de l'écrire, ça peut vous faire du bien, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous. Et si vous souhaitez... Allez sur mon site internet pour voir mes prestations, pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour voir les box qui vont bientôt sortir, les box inédites que j'ai vraiment eu plaisir à créer. Euh, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, prenez du bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.